en mode holo, seulement j'ai pas mis le bankai, seulement l'épée. Bah celui que j'incarne, Chi, dans Chobits, elle représente bien la personne que je suis. Pika, nous avons commencé, nous, faire du manga il y a déjà presque 15 ans. Donc on a édité, je crois, à peu près 12 séries. Donc c'est pratiquement la quasi-totalité des séries qui ont été faites par Clamp. C'était le premier manga qu'on a édité. Donc ça fait drôle maintenant, plus de 15 ans après, d'être là pour fêter leurs 20 ans à Japan Expo en France en plus. C'est un moment un peu extraordinaire. Japon depuis les années 90 et en fait je suis tombée dessus sur des ce qu'on appelle des reliures, c'est-à-dire des tous les mois ils sortent des épisodes de manga et en fait je suis tombée dessus et puis depuis bah j'achète dès qu'elles sortent des nouveaux mangas. Chez Clamp, ce qui me plaît c'est surtout le graphisme, le dessin, je le trouve vachement travaillé côté dessin et les histoires sont toujours très prenantes. Ils ont un très joli forme de dessin par rapport aux autres mangas que je connais. Souvent on trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances dans certains auteurs, mais elle, en fait, on voit tout de suite que c'est elle. Dès qu'on voit les images, on sait que c'est elle. Les tenues aussi, la façon de s'habiller, pas la même façon de penser, un esprit peut-être plus ouvert. Bah, les mangas, c'est toujours souvent un univers, un monde idéal, où il y a des choses qui sont invraisemblables qui se passent. Et beaucoup d'originalité. Et c'est très très recherché au niveau de leur scénario. Et en fait, à chaque fois, elles changent de style aussi. Quasiment à chaque manga, elles ont changé de style. Et j'ai l'impression, en lisant moi les mangas de Clamp, qu'ils grandissent avec moi. Ils prennent de la maturité avec moi. C'est la façon dont elles traitent leurs personnages. Et on fait un scénario qu'on ne s'attend jamais. Donc non seulement nous faisons une très belle opération en tant que Pika, commercial et tout, mais nous sommes heureux dans le cadre du groupe Hachette. En même temps d'essayer de remettre toute cette jeunesse à la lecture, même si c'est en commençant par le manga. C'est vraiment la première fois que je les vois, leur visage en fait. Et c'est très impressionnant en fait, parce que c'est les premiers auteurs que j'ai lus. C'est par ce manga-ci que j'ai commencé à aimer le manga. On est contente de les voir et tout, parce qu'elles posent des questions, elles nous demandent qu'est-ce qu'on a aimé, etc. Elles font des réflexions sur nos tenues vestimentaires. C'est assez stressant et très valorisant pour moi et pour tout le site de fans de Clamp. Aujourd'hui, on a eu l'occasion de faire plusieurs séances de dédicaces et de rencontrer donc nos fans. Et donc nous sommes tous les quatre vraiment très émus de cette rencontre. C'est bien. On peut tout faire et on rencontre beaucoup de stars.